Ouais, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, c'est bon, tranquille. J'espère que vous allez tous très très bien. Mais attention, soyez très attentifs à ce que je vais vous dire. Parce que désormais, il y a une nouvelle personne qui a décidé d'être méchante, d'en découdre. Et il va falloir faire très attention au cas où, si vous la croisez, parce que cette personne qu'on nomme Kanye West, alias Yeezus, alias Ye, a décidé d'en découdre. Regardez comment il est habillé. Il est habillé tel un ninja. Ça y est, il se croit à Konoha ou bien au village caché de je ne sais où. Et il a décidé de ne plus jamais rigoler avec quiconque s'approcherait pour prendre une photo ou faire des interviews avec des questions absolument inutiles, inhumaines, sur sa vie, sur son financement, surtout sur du grand n'importe quoi. Alors là, il a décidé de s'habiller directement en mode, si tu t'approches, je vais te laminer. Regardez, son colon, regardez, il a des protections, comme s'il est décidé à mettre des coups de tibia à tous ceux qui viendraient s'approcher de lui et nuire à son temps. Vous vous rendez compte? Jusqu'où ils ont poussé Kanye West? Tout le monde pensait qu'il était fou. Mais maintenant, regardez, ça, c'est pas quelqu'un qui s'habille en fou. C'est quelqu'un qui veut en découdre, qui veut frapper son prochain. Là, il n'est plus question de faire danser en faisant de la musique ou vendre des chaussures. Non! Là, il n'est plus là pour ça, il est là pour en découdre. Il a mis des prothèses tibia. Oh là là! Oh! Et regardez les chaussures là. Hein? Ça, c'est des chaussures directement pour frapper. Ça y est, lui, il pense qu'il est tout le temps dans la cage. Des gens vont venir, vont l'approcher. Ah, I can hear you. Bah, 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 bah. Ninja West, il est plus là pour rigoler. Oh là là, on dirait un Power Ranger. Vous vous rendez compte? Kanye West s'habille en Power Ranger, mais le Power Ranger Black. Tu l'as vu? Regarde. Oh là là. Non, lui, il va pas rigoler. Donc, mesdames et messieurs, faites très attention. Je sais, il y a beaucoup de personnes dangereuses, mais là, il va falloir ajouter Kanye West. Ça y est, c'est quelqu'un qui ne va plus jamais rigoler avec son prochain. C'est quelqu'un qui va étrangler son prochain. C'est quelqu'un qui va découper. Il va envoyer des fléchettes, des kunaïs, des je sais pas quoi. Oh là là! Kanye West, j'espère que tu vas trouver la paix, que tu vas te calmer. D'ailleurs, j'ai appris qu'une marque avec laquelle tu travaillais et qui t'a littéralement jeté commence à regretter. On ne va pas parler de cette marque absolument nauséabonde, pourrie, qui a trois bandes, car on a vu de quel coin et de quel ressort, déjà, si on parle historiquement, je ne sais même pas comment ça se fait que cette marque soit aussi célèbre, parce que son histoire n'est pas très propre. Allez voir, moi je sais pas, je dis rien. En tout cas, sachez que nous, là, ici, on n'est pas pour les trois barres, on est pour la virgule. Mais on va pas, voilà.